Amen. Est-ce que personne me donne un bon amen? Can someone give me a good amen? Je ne sais pas si je vais d'abord m'asseoir. I don't know if I'm going to sit first. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Préparation au mariage. Preparation to marriage. En tout cas, pour ça, on n'a pas besoin du piano. Hein? For that, we're not going to need the keyboard. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le frère Montagnier qui est... rencontré à la parole de grâce où j'ai We met at a church where I received my calling from God in Toronto. 2012 à peu près. Since 2012. On se connaît. We know each other. Il m'a dit, prophète, je and he told me, prophet, I'm going to come and stay here. I told him that I'm also going to establish the presence of God so that he can be a blessing for us. Il joue très bien au piano. He knows how to play the keyboard. He's a professional. Professionnel. He is a musical professional. C'est un homme qui aime s'habiller, hein? But he also likes to dress. Donc il est venu ici pour créer aussi, so he also came. Il a une entreprise, he has a new company. Il aide les hommes comment se s'habiller. And he helps men to cravate, dress. Veste, tout. Je pense que vous, plastic dressing. Vous voyez déjà un peu you already see what I'm talking about. Alléluia. Amen. Veste pour te marier, if you need a blazer to get married, l'église Word of Faith va t'aider. The Word of Faith Church is going to help Gloire you. Au Seigneur. Glory to God. Amen. Amen. Tiens ton voisin, préparation au mariage. Tell your neighbor preparation to marriage. Tiens ton voisin, préparation au mariage. Tell your neighbor preparation to marriage. Je vais être à l'aise ici. I'm going to be comfortable here. Tiens ton voisin, préparation au mariage. I say tell your neighbor preparation to marriage. Pourquoi ton voisin ne répond pas? Why is your neighbor not answering? Pourquoi ton voisin ne répond pas? Why is your neighbor not answering? Dis à ton voisin, le mariage est une réalité. Tell your neighbor that marriage is a reality. Et le mariage est très sérieux. And it's really serious. On m'a amené 4 bouteilles d'eau. They brought me 4 bottles of water. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles. We're going to take our Bibles. On va lire un verset. And read a verse. Le grand thème de notre enseignement sur la préparation du mariage aujourd'hui. The biggest theme of our teaching on marriage preparation today. Je vais vous faire signe quand commencer. C'est l'approche du frère. It's how a brother comes forth. Et la réaction de la sœur. And the reaction of the sister. Nous parlerons des bonnes réactions. We're going to talk about good reactions. Et nous parlons également des mauvaises réactions. And bad reactions. De comment est-ce que certains frères agissent quand ils veulent parler à une sœur. And how some brothers act whenever they want to approach a sister. Et comment la sœur réagit par rapport. And how the sister reacts regarding that. C'est notre premier thème pour ce mois. That is the first theme for this month. Et chaque un ou deux mois, nous aurons. And every month or two, going to have preparation to marriage. Je me limiterai qu'à la préparation. I'm only going to limit myself to preparation. Une fois marié, je vais entrer en and as soon as I'm married, I'm going to go deeper. Alléluia. Amen. Quelqu'un prie que je me marie rapidement. May someone pray that I can get married faster. Glory to Jesus. Genèse chapitre 24. We're going to read in Genesis 24. Genèse chapitre 24. Genesis chapter 24. On va lire à partir du verset 10. And we're going to read starting from verse 10. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. The Bible says, le serviteur prit 10 chameaux. Then he loaded 10 of Abram's camels. Parmi les chameaux de son seigneur. 10 of Abram's camels. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. With all kinds of expensive gifts from his master. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. And he traveled to distant Aram Naharaim. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville près d'un puits. He made the camels kneel beside a wall just outside the town. Au temps du soir. It was evening. Au temps où sortent celles qui font quoi? And the women were coming out to draw water. Dont les femmes venaient puiser le soir. So women came to draw water at night. Parce que in the evening. Il y a une heure stratégique également. Because there's a strategic hour to meet certain people. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Give me a good amen. C'est au temps du soir qu'ils savaient que les sœurs venaient pour puiser. It is at the evening that the women were coming out. Verset 12. Il dit, first of all, he said, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, O Lord God of my master Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Please give me success today. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. And show unfailing love to my master Abraham. Attentivement l'histoire. Voici, je me tiens près de la source d'eau. See, I am standing here beside the spring. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. And the young women of the town are coming out to draw water. Que la jeune fille à laquelle je dirai, this is my request. Quelqu'un est avec moi à qui je dirai. Tell, say with me, to whom I'm going to ask. To whom I'm going to ask. Penche ta cruche.
I will ask her, please give me a drink from je your jug. Je te prie pour que je boive. Please give me a drink from your jug. Et qui répondra? If she says, mais someone said to me, if she says, il a dit à Dieu, je dirai. He said, I'm going to say. Il attendait aussi un type de réponse. But he was also expecting a type of answer. Et il, qui répondra? And he said, who will say? Alléluia. Bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Yes, have a drink, and I will water your camels too. Sois celle que tu as destinée à ton Seigneur. Let her be the one you have selected as Isaac's wife. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers. This is how I will know that you have shown unfailing love to my master. Écoutez ceci. Listen to that. Il n'avait pas encore fini de parler. He was not done talking. Quand sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca. He saw a young woman named Rebecca coming out with a water jug on her shoulder. She was the daughter of Bethuel, who was the son of Abraham's brother, Nahor, and his wife Milcah. Verse 16. He said, Rebecca was very beautiful. Very beautiful. Elle était vierge, and old enough to be married. Homme ne l'avait fait voir, but she was still a virgin. Elle descendit à la source, she went down to the spring, remplit sa cruche, filled her jug, et remonta, and came up again. Alléluia. Amen. Quelqu'un vous donne un bon amen. May someone give me a good amen. Seigneur, nous te prions. Lord, we pray. Accorde-nous grâce. Grant us the grace. Habilité de partager ton esprit. And ability to speak your thoughts. Ainsi que ton esprit de sagesse. As well as your wisdom. Et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. And that your people be blessed in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Pour ceux qui poseront des questions après. For those that are going to ask questions after. Le WhatsApp du frère Joël est ouvert. The WhatsApp of brother Joel is open. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que de certaines questions. Because we don't want confidential questions. Qu'on puisse voir qui a posé. So that we don't want to know who's asking confidential questions. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. May someone say with me, hallelujah. Tu veux poser une question? You want to ask a question? Texte. Tout le monde a le numéro du frère, n'est-ce pas? Does everyone have his number? Si tu n'as pas son numéro, lève la main. If you don't have his number, just lift up your hand. Tout le monde a le numéro, n'est-ce pas? Everyone has his number. Sur WhatsApp. On WhatsApp. Tout le monde a le numéro? Does everyone have his si number? Si ça complique là. If it's complicated, I will allow many people to lift up their hands and ask their questions. La première chose que j'aimerais partager, the first thing that I would like to share, c'est l'approche du frère. Is the approach of the brother. Bien-aimé, j'aimerais commencer en disant ceci. Beloved, I would like to start and say this. Il y a plusieurs manières d'approcher une personne. There are many ways to approach a person. Il y a des manières que l'on approche. There are ways to approach. Qui rend déjà la situation favorable. That make the situation favorable. Ça veut dire que lorsque tu approches la personne d'une meaning telle manière, whenever you approach a person que tu le veuilles ou pas, whether you like it or not, la personne va te permettre d'avoir that person is going to enable you to have la capacité de parler davantage, the capacity to speak more with her. Mais aussi des approches que les frères ont parfois. But there are certain approaches that brothers have sometimes. D'où la discussion avec la sœur Noé ne durera même pas une minute. Will not even last for a minute. Par la manière à laquelle le frère est by the way the brother is approaching the sister. Et généralement c'est un conflit. And generally it's a conflict. Et j'aimerais dire avec and I would like to say with a lot of courage. Dans la vie, il faut pas seulement parler en langue. In life, you should not only speak in tongues. Donne-moi d'abord l'amen. Give me that first the amen. Dans la vie, il faut pas seulement parler en langue. In life, do not only speak in tongues. Il faut pas toujours parler avec des anges. Do not only speak with angels. Parfois, il faut avoir un peu d'expérience. Sometimes you need to have a little experience. Du monde, juste un petit peu of the world, just a little bit. Pour savoir comment s'il faut parler. To know how to speak. Parce que frère, because brother, la sœur que tu approches, the sister that you approach, elle ne vit pas au ciel. She does not live in heaven. La sœur que tu approches. The girl you're approaching, elle n'est pas tombée du ciel. She did not fall from heaven. The girl you approach, elle vit sur la terre. Lives on earth. Elle a aussi un cerveau. She also has a brain. Elle n'est pas là pour attendre un frère qui va l'approcher. She's not waiting for a brother. Et la première chose qu'elle va attendre, to hear the first thing. My sister, come, let's pray. Le Seigneur me dit que tu es ma femme. The Lord is telling me that you're my wife. Le Seigneur me confirme que c'est toi. He's confirming that you're my spouse. Ne t'oppose pas, ne t'oppose pas. Do not oppose yourself. Ne t'oppose pas, ne t'oppose pas. Do not oppose yourself. Ainsi déclare l'Éternel. Thus say the Lord. Certaines de ces choses certain of those things permettent aux approches des frères allow to the approaches of the brothers to be rejected. Alléluia. Amen. Les frères, oyez. Brothers. Les frères, oyez. Are you listening? La première approche, the first approach qui détermine that will determine la
le commencement d'une certaine relation, the starting of a certain relationship, c'est le langage. Is the language. Alléluia. Amen. Dis avec moi le langage. Say with me language. Lorsque tu veux parler à une personne, whenever you want to speak to a person, que dans ton cœur tu considères être celle qu'il faut pour ta vie, that in your heart you consider to be the one for your life, dans ton cœur tu considères que c'est elle la femme que tu veux épouser, that in your heart you consider in your heart you consider her to be your wife. Tu ne peux pas lui parler de la même manière que tu parles à ta petite sœur. You cannot speak to her the same way you would speak to your little sister. Tu ne peux pas lui approcher. You cannot approach her. Comme si elle avait des grands frères. As if she had big brothers. Qui étaient tes amis depuis longtemps. That were your friends from a long time. Et puis tu ne considères même pas ça. And you're not even considering. Tu l'approches, tu dis. You approach her and you say. Ma sœur. My sister. Viens là-bas aussi. Just come here, come quickly. Quickly, come here and set yourself here. Do you know that you're really pretty? Même déjà la façon que tu l'as appelée. The first, the way you called her. Tu lui as demandé de venir. And the way you asked her to come with you. Somewhere is causing already an issue. Quelqu'un me donne un bon amen. Can someone give me a good amen? Le langage du frère a une grande importance. The language of the brother is really important. Can the sister give me a good amen? Amen. On ne parle pas à une sœur comme. Speak unto a sister that you consider for marriage with inappropriate language. Alleluia. Amen. Elle poste une photo sur Instagram. As soon as she posts a picture on Instagram, you're not going to comment, sister, that skirt looks good on you. Because first you'll come with an intention that's not serious. Alleluia. Amen. Tu vas pas commencer à parler avec you're not going to start speaking with the sister. La première chose que tu vas déclarer, and the first thing you're going to say c'est la façon qu'elle s'est habillée, is the way she dressed. Et la façon que les habits ont dessiné son corps. And how the clothes look on shape her body. Il y a une manière que le langage doit être annoncé. There's a way for the language to be announced. Parlons du langage. Let's talk about the language. On parle également de la manière à laquelle nous parlons. We also talk about the way we speak. Si nous parlons français, if we speak French, quand tu approches une sœur, whenever you approach a sister, assure-toi de ne pas commettre d'erreur. Make sure you don't make any mistakes. Nous ne voulons pas dévaloriser. We don't want to devalue anyone. Mais il y a une certaine approche qui permet de considérer. Quelqu'un me donne un bon amen. Can someone give me a good amen? Le langage est d'une grande importance. Language is really important. On n'appelle pas une sœur comme si elle était servie. Sister, as if she was serving you already. Sister, just come. Hurry, hurry, come. I'm calling you and then you'll be proud. You know, generally, généralement, les frères qui ont un langage d'agressivité, brothers that are aggressive in the world, ont du mal à pouvoir maintenir une conversation. Have a hard time to maintain a conversation. Parce que la sœur, elle n'écoute pas simplement avec because les oreilles. Because the sister does not only listen with the ears. Mais une sœur écoute avec son cœur. But she also listens with her heart. Et tu ne peux pas attirer l'attention d'un cœur. And you cannot attract the attention of a heart. En étant agressif. By being aggressive. Pas seulement en étant agressif. Not only by being aggressive. Mais en étant déplacé. But by also being inappropriate. Pas seulement en étant déplacé. Not only being mais on ne peut pas la considérer. Pas seulement on ne peut pas la considérer. Not only without consideration. Mais lui parler sans valeur. But also speaking to her without any value. Surtout parce que si tu la considères. Especially if you consider comme celle her que tu veux épouser. As the one you want to marry. Cela veut dire que même quand tu l'approches. That means whenever you even come tes paroles forward, lui donnent une certaine valeur. Your words give her a certain value. Alléluia. Amen. La manière que l'on parle, the way you speak, est déjà d'une grande importance. Is already important. Prépare même ton français avant de parler. Even prepare your French before speaking to her. Prends même le temps de te regarder dans le miroir. Even take time to look at yourself in the mirror and start practicing. Whenever you're going to approach her and you're going to tell what you feel. Tu sais que tu vas le faire dimanche à l'église. You know you're going to do it on Sunday at church. Déjà à 22h. Saturday at 10 p.m. Avant de dormir, tu before you go to bed, you're in front of the mirror. Ma soeur, bonjour. And say, my sister, hi. Que, do you know que that as, since you've been in church, j'ai vu plusieurs sœurs entrer. I've seen many sisters coming. Mais tu es la seule qui a pris mon attention. But you're the only one that caught my attention. So where did the sisters go to say, parce que le langage because the language est d'une grande importance. Is really important. Quelqu'un me donne un très can bon someone give me a good amen? Alors, c'est pourquoi le serviteur d'Abraham, that's why the servant of Abraham, a préparé ses paroles, he prepared his words avant de parler avec Rebecca. Before speaking to Rebecca, je dirai ça. He said, I'm going to say this, je dirai ceci. And this. On ne part pas venir annoncer ses sentiments à quelqu'un à la va-vite. You do not come and
talk about your feelings by hurrying. You have to prepare yourself morally, avec le langage. But also with the language. Avec le langage. Can someone say with me the language? La deuxième approche du frère, the second approach of the brother, pour attirer l'attention d'une sœur et surtout, or attract the attention of a sister, lorsqu'il veut venir annoncer ses sentiments, especially when he wants to tell his feelings, le regard, the look, est d'une grande importance. Is really important. Quelqu'un dit avec moi, regarde. Can someone say with me the look? Tu ne peux pas vouloir considérer un micro passé. Tu ne peux pas vouloir considérer. You do not want to consider une sœur, a sister, mais tu n'adores pas un regard, but you don't give her a look qui permet de sentir une sécurité. That enables her to feel security. À chaque fois que tu la regardes, whenever you look at her, c'est lorsqu'elle passe. It's when she comes et back. Tu attends très bien, and you always wait qu'elle puisse passer à gauche, that she goes to the left, et tu te tournes comme par hasard, so that you can turn et as if it was an accident. And then you start observing the way God has blessed her. Lorsque tu veux attirer l'attention, whenever you want to attract the attention of a person, et commencer à présenter tes sentiments, and start presenting your feelings, ton regard a une grande importance. Your look is really important. Quelqu'un me donne un bon amen. Can someone give me a good la amen? Manière que tu regardes quelqu'un, the way you look at a person, peut déterminer can déjà determine already ce que la personne doit comprendre. What the person is, needs to understand. Ah oui. Oh yes. Parce que c'est même de la même manière que certaines sœurs annoncent leurs sentiments. Because that's also how some sisters tell their feelings. Les sœurs disent non jamais. There are certain sisters who say non, never. I will never tell the man that I love him. C'est l'homme qui doit venir devant moi d'abord. It's the man that has to come before me first. C'est l'homme qui doit me dire ce qu'il ressent. It's the man that has to tell me what he feels. Mes frères, attention. My brothers, be careful. Elle ne dira pas qu'elle t'aime. She's not going to tell you that she loves you. But she's going to look at you. Parce que le regard, because the look, peut déjà annoncer can already announce how the heart is feeling. I'll give you a good example. Tu peux être à l'église comme ça. You can be in church. Quand les autres sœurs chantent, when other sisters sing, tu es comme ça, chante. You just put your head down. Dès qu'elle monte avec as soon as she comes up with the mic, you just look at her. Dès qu'elle dit prier, as soon as she says pray, you start praying. You pray by looking at her. My brother, va se tourner vers toi. Her attention is going to turn to you. Parce que le regard, because the look, peut déjà annoncer, can already announce. I'm just going to say le that peut déjà the look can already announce. Comment est-ce que le frère se sent? How a brother feels. Bon. Je disais quoi? Le regard. Le regard est d'une importance capitale. It's really important. Lorsqu'un frère veut approcher une sœur, whenever a brother wants to approach a sister, même lorsque tu parles avec la sœur, even when you speak with the sister, tu ne peux pas fuir les regards. You cannot just run away c'est from important. Her eyes. Vous savez, quand it's un important. Frère regarde une sœur, you know, whenever a brother looks at a sister in a good way, il prouve à la sœur qu'il est confiant de ce qu'il fait. He proves to the sister that he's confident in what he's doing. Et lorsque tu observes la sœur, and whenever you observe the sister, si la sœur te montre déjà qu'elle a des sentiments, if the sister shows you that she has feelings already, she's just going to start moving her head a little si bit. Cheveux, and if she has long hair, comme certaines sœurs ici, just like a few sisters here, she's going to start flipping her hair. Pour te montrer qu'elle n'a pas le temps, mais elle est intéressée. To show you that she doesn't have time, but she's interested. Fais vite, mais pas seulement. You see, just like, hurry up, but just speak. Hurry up, but just speak. Donc, vous allez comprendre que le regard est d'une grande importance. Is really important. Surtout lorsqu'on n'a pas la, le courage d'approcher la sœur directement. Especially when you don't have the courage to approach the sister directly. Un simple regard. A simple look. La sœur est là comme on a l'habitude de faire à manger après le culte. The sister is there as we usually elle cook after church. Table. She prepares the table. Pendant qu'elle est en train de mettre les choses. Whenever she's dressing the table. Tu la regardes seulement. You just look at her. Tu as besoin d'aide. And ask her, do you need help? Mais are you okay? Il y a regard et regard. But there are looks and looks. C'est pas que tu regardes la sœur. It's not that you're looking at the avec sister. Avec un regard tellement perçant. With a look that's so piercing. That she starts asking herself questions. Why is he asking, why is he looking at you like that? Parce qu'il y a des regards aussi qui sont un peu intimidants. Because there are looks that are also intimidating. Frère Sam, on ne regarde pas une sœur pour l'intimider. Brother Sam, you don't look at a sister to intimidate c'est her. Lorsqu'on regarde une sœur, when you look at a sister, on ne vient pas l'intimider. You don't come to intimidate her. I am the big brother. Ah, moi je suis un grand. I am great, and you intimidate her by your look.
90% de ce genre de choses. 90% of those things do not work. Parce que lorsque la sœur vient devant because toi, whenever the sister comes before elle you, veut d'abord se sentir en sécurité. She wants to feel safe. La sécurité est une chose importante. Safety is que important. Le frère peut accorder à la sœur par le regard. That a brother can grant the sister si by the look. Si la sœur est à côté de toi, dis avec toi, regarde bien. If there's a brother next to you, just say, look well. Tell him to look well. Arrange aussi ton regard. Also fix your look. Quelqu'un me donne un bon amen. Can someone give you a good amen? Mon général. Alléluia. Amen. Je suis au troisième point, n'est-ce pas? Exactly. On parle d'abord encore aux frères. We're still going to talk to the brothers. We're also going to get to the sisters. La troisième chose. The third thing. Que je peux dire qui est une approche. That I can say is an approach. Sans dire à la sœur que tu l'aimes directement. Without telling the sister directly that you love her. Mais c'est souvent permettre. But it's usually allowing the atmosphere. D'être changé par des petites blagues. To be changed by little jokes. Les femmes aiment les hommes qui savent comment leur faire rire. Women like men who know how to make them laugh. Un homme qui est toujours crispé à l'église. A man that's always serious on in church. On t'invite à la fête d'une personne. They invite you to the party. You don't joke. On t'invite au restaurant. They invite you to the restaurant. You don't joke. On t'invite manger. Tu souris jamais. They invite you to eat. You never smile. Toi, tu sors que lorsque tu regardes des films. But you, your teeth only come out when you're watching movies. Si tu n'as pas un film. If you're not watching a movie. You're always serious. Donc même quand on voit ton visage, even when they see your face, la sœur ne peut pas imaginer un jour the sister can never imagine one day to be married to such a brother. How can I be comfortable to be with a person that doesn't know how to set the atmosphere with jokes? Elle est là au coin. She's just in her corner. Tu viens commencer à parler avec elle. You come and you speak with her. Tu la fais un peu rire. And you make her laugh a little bit. Et puis dès que tu la fais rire. And as soon as you made her laugh. Le lendemain quand tu la vois. The next day when you see her. Tu dis rien. Bonjour. You don't say anything. You say hi and then you just go, pass by. Stratégie. Quand tu la revois encore, tu la fais un peu rire. You make her laugh a little bit. Tu as vu ce film? You say, oh sister, have you seen that movie? And then you laugh. Et puis après, and le soir. Later, on the si evening, écrit, if she texts you, salut frère, comment tu vas? And say, hey tu brother, how message, you doing? You see the message, you don't answer directly. You wait. You wait for 2 hours. Even 2 hours. Et puis tu lui dis, and then you tell her, j'étais en prière. I was in prayer. Le Seigneur m'a donné un message. The Lord has given you a message. Est-ce qu'on peut se voir? Can we see each other? Vous comprenez? Vous allez comprendre avec quoi? Pourquoi tu fais rire et puis tu arrêtes? Why do you make her laugh and you stop? Pourquoi tu fais des blagues et puis après? Why do you make jokes and then later? Pour ça, je crois que and then you, when she sees you, mais il est coincé un peu. Hein? And she says, oh, il est coincé. But he made me laugh. Qu'est-ce que ça développe dans le cœur de la sœur? What does that develop in the heart of the sister? Suspense. Is he interested or not? Il me fait des blagues mais il arrête. He makes me laugh but he stops. Il le fait mais il le fait pas. Suspense. It develops the suspense. And that suspense te permet de savoir si la sœur est intéressée ou pas. It enables you to know if the sister is interested or not. Si la sœur because if the sister cherche à te parler malgré le suspense, tries to speak to you despite part, the suspense, quelque part ça te montre déjà que les blagues ont fonctionné. It shows you that the jokes have worked. Et que maintenant tu peux aller au prochain niveau. And that now you can go to the next level of your approach. Apprenez à faire des blagues. Learn how to make jokes. Alléluia. Amen. Pas des blagues où on se moque d'une personne. Not jokes where you laugh at people. Ma sœur, tu es courte, tu as un gros front. And tell the sister that she's short and has a huge forehead. Tu as tué le match. We just killed the game. C'est déjà fini. The game is over for you. Là déjà, lire ma cambouille. Ça va pas. It's not working. Non, on ne fait pas des blagues qui se moquent de la personne. You don't joke about the person. Mais on fait des blagues qui détendent l'atmosphère. But you make jokes that set the atmosphere. Lorsqu'elle rigole, elle s'ouvre. Meaning, whenever she laughs, she opens up. Ça permet déjà à une conversation. It allows a conversation. De commencer. To start. Est-ce qu'une personne m'a donné un bon amen? Did someone give me a good amen? Une femme a besoin d'un homme qui sait comment la faire rire. A woman needs
a man that to make that. Alléluia. Amen. Déjà que la vie est tellement stressante aux États-Unis. Life is already stressful in America. Déjà que la vie est tellement stressante avec le travail. Life is already stressful with jobs. Apprends à avoir des relations qui te détendent. Know how to have relationships that make you feel comfortable. Alléluia. And relax. C'est très important. It's really important. Là, c'était la quatrième clé que j'ai donnée. Troisième clé, hein? That was the third key. La quatrième clé pour the le type d'approche. For a type of approach. Quelque part, le frère doit savoir comment démontrer son amour. Somewhere, the brother needs to know how to demonstrate his love. Il y a une approche. There's an approach qui permet à la sœur de voir déjà qu'il y a un intérêt quelque part. To see that there's an interest somewhere. La sœur n'a pas encore la capacité d'acheter. The sister does not have the capacity to pay at the restaurant. Tout le monde est là, les membres de l'église. Everyone is there, the members of the church. Tu sens que la sœur est un peu. As soon as they bring the bill, you can feel that she's uncomfortable because she doesn't know how to do. Mais elles sont pas, il y a pas qu'elle, il y a deux sœurs qui l'ont fait. But it's not only her, but there are two sisters. Deux sœurs n'arrivent pas encore à payer. Two sisters are not able to pay. Après, bizarrement, les deux sœurs viennent vers toi. And oddly enough, they both come to you. Pour te dire, est-ce que tu peux m'aider avec le. To ask you if you can help them with the bill. Les sœurs ne feront jamais ça. Even if the sisters are never going to do that. That's why I give examples to help you know how to do in other areas. Les deux sœurs n'arrivent pas à payer. The sisters are not able to pay. Tu vois celle qui t'a demandé. You can see the one that asked you. Mais elle t'intéresse pas, tu vois. But you're not interested, but you're seeing the other one. Qui t'a demandé, c'est elle qui t'intéresse. The other one that asked is the one you're interested with. Tu peux seulement faire entrer l'esprit, dis seulement, bon, ma sœur, toi, you can just say, you can just pay for the one you're interested in. Et puis tu demandes à quelqu'un d'autre de payer. And you ask someone else to pay for the one you're not interested in. Tu fais déjà une distinction. You're already making a distinction. Entre celle qui t'intéresse. Between the one you're interested with and the one une personne a besoin d'un ride. Someone needs a ride. Tu demandes à quelqu'un d'autre d'aider les autres sœurs. You can ask someone else to help the other sisters. Mais cette sœur là, tu but demandes sister, est-ce que je peux. You ask her if you can give her a ride. Toi. You ask her if you can give her a ride. This is a ce n'est pas un culte en enseignement les choses spirituelles. Yeah, we're not only teaching spiritual things. On parle des choses qui sont vraies. Hein? We're also talking about the reality. Parce que le mariage n'est pas superficiel. Because marriage is not superficial. Alléluia. Amen. Et lorsqu'un frère veut approcher. And une whenever a brother wants to approach a sister. Vous savez que la plupart des frères qui prient beaucoup en langue ne savent pas comment parler des sœurs. Do you know that many brothers who speak in tongues don't know how to speak in tongues? Exactly. Les frères lorsqu'ils parlent, tu sens. So brothers, whenever they talk, you can feel that. Oh my God. Même quand ils approchent la sœur, tu sens. Even when they approach the sister, you can feel that. Ma sœur. They're so shy. La Bible déclare. They talk about the Bible. Ne réveille pas l'amour avant le temps. The Bible, which says that do not wake up love before time. Mais quand je t'ai vu, le temps a sonné. But when I say your time has come. Your bongo frère. Even the sister is going to tell me. Mais comment est mon proche? But how is your proche? Avec un verset qui n'a rien. With a biblical verse that has nothing to do. Alléluia. Dis à un frère, faut avoir tell le courage. Tell a brother you need to have courage. Dis à un frère, faut avoir le courage. Tell a brother that you need to have courage. Ne te cache pas derrière le verset. Oh. Ne te cache pas derrière le verset. Verse. Il faut avoir le. You need to be courageous. Simple as that. On se cache pas derrière la Bible. Do not hide behind the Bible. Ah, je vais t'en I want to be comfortable. Hey, with hey, 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 on se cache pas derrière les. Do not hide behind Bible verses. Apprenez à développer le courage. Learn to develop courage. Démontre ton amour en faisant une distinction. Demonstrate your love by making a entre distinction. Entre la sœur qui t'intéresse. Between the sisters you're interested. Et celle qui t'intéresse pas. With and those that you're not interested in. Alléluia. Amen. Frère, on est là comme ça à l'église. Brother, we're here in church. Les deux sœurs ont beaucoup de choses à porter. Two sisters have a lot of things laisse to carry. Laisse la sœur là qui t'intéresse. Let the one that interested in the mind. And help the one that interested in. Frère, la distinction. Brother, distinction. Plusieurs vont dire que c'est méchant. Many of us say that it's mean, but they don't know. Ils ne savent pas qu'une femme. But they don't know that a woman. Elle aime lorsque l'homme montre la différence. Show the difference entre elle et les autres sœurs. Between her and the other même sister. Si vous pas avoué ça, even c'est if grave, you're not going to admit that it's so true. En tout cas. C'est la vérité. Toute sœur veut sentir comme si elle est spéciale. Any sister wants to feel special. Elle veut sentir que
Mais il y avait deux sœurs, ils pouvaient aider le monde. Il y a déjà quelque chose qui va résonner en son esprit. That's going to resonate in her spirit. En disant, wow, that brother, c'est un bon frère. He's a good brother. Alléluia. Amen. Or que les frères dans son esprit aillent. But so the brother in his spirit already knows. He already knows that I was just helping because we're going somewhere. C'est très important pour les frères. It's really important for the brother. D'avoir une approche qui peut démontrer déjà une différence au début. To have an approach that can demonstrate a difference in the beginning. Ce n'est pas un péché de lui dire. It's not a sin to tell. Je parle pas avec toutes les sœurs comme je te parle. I don't talk to many sisters as I speak with you without telling her that you love her. But you already allow her to understand that among many sisters. Avec elle, tu parles différemment. With her, you speak differently. Quelqu'un me donne un bon amen. Can someone give me a good Parce amen? Que c'est important d'approcher une sœur. Because it's really important to approach a sister. Avec l'objectif de déjà la faire sentir différente. With the objective to make her feel different. Parce que éventuellement, si c'est elle que tu as choisie. Because eventually, if it is her that you have chosen. C'est parce qu'elle est différente. It's because she's different. Et elle répond à tes critères. And she answers your criteria. Et si elle répond à tes critères. And if she answers them. Cela veut dire que tu dois être celui qui lui demande. Qui le démontre. That means that you have to be the one demonstrating that to her. Même la femme qui est la plus belle. Even the most beautiful woman. Même les stars que nous voyons comme Even the stars that we see. À Hollywood. In Hollywood. Dans les films. In movies. Même la Miss de l'univers. Even Miss Universe. A besoin d'un homme qui va lui rappeler qu'elle est jolie. Needs a man that's going to remind her that she's beautiful. Même si elle sait qu'elle est belle. Even if she knows that she's beautiful. Quelque part, la femme a toujours une vulnérabilité. Somewhere, a woman is still vulnerable. Qui demande simplement une assurance. That requires reassurance. Venant par un homme qui est intéressé. Coming from a man that's interested. C'est-à-dire que lorsque tu viens vers la sœur, meaning that whenever you come il est to important the sister, de déjà faire une différence. It's important to make a difference. Et de lui dire je t'approche parce que. And to tell her that I'm approaching you because there's a difference between you and the other sister. C'est déjà une approche favorable. It's already a favorable approach. Parce que les frères sont là. All the brothers here. Alléluia. Amen. Le 50e point, 5e point là-bas. Cinquième point. Oui, on the fifth point. Oh. Maintenant, je vais parler d'un autre point important. Now I'm going to speak about another important point. Quelles sont les approches des frères What are the approaches of the brothers qui ont causé beaucoup d'échecs? That caused many failures. Quelqu'un me donne un bon amen. Can someone give me a good amen? Dis à ton voisin, il y a approche et approche. Tell your neighbor, there are approaches and approaches. Frère, oui. Brother, are you Frère, listening? Oui. Brother, are you listening? Il y a des approches, there are approaches qui vont te faire échouer. That are going to make you fail. Alléluia. Amen. Il y a une manière lorsque tu approches quelqu'un. There's a way whenever you approach someone. Inévitablement. Whether you want it or not. La personne. That person. Ne va pas te permettre d'avancer. It's not going to allow you to move forward. Voyons ensemble certaines causes d'échec. Let's see a few causes of failure. La première cause d'échec. The first cause of failure. D'un frère qui approche une sœur. Of a brother that approaches a sister. C'est de suivre plusieurs femmes. Is to follow many women. Au même moment. At the same time. Talk about it. Talk about. Un frère qui approche une sœur. A brother that approaches a sister. La Bible déclare que le cœur de l'homme. You know, the Bible says the heart of man. C'est comme le séjour des morts. It's like the valley of the shadow of death. Il ne dit jamais assez. It never says enough. C'est-à-dire que quand un frère approche quelqu'un. Whenever a brother approaches a woman. La plus grande erreur qu'il peut commettre. The biggest mistake he can make. C'est de commencer à approcher deux sœurs. Is to start approaching two or four sisters. Au même moment. At the same time. Encore pire. Even worse. Approcher une sœur. Approaching a sister. Et une autre sœur à la and même another place. Sister in the same place. Yes. Donc nous sommes ici. So we're here. La sœur était elle tranquille. The sister was here comfortable. Tu es parti parler à notre sœur de l'église. You went to speak to another sister Après of the church. Après tu vas écrire à Joël. And then you write Après, to Joël. Après tu vas écrire à Lisa. And then you write Après, to Lisa. Après tu vas écrire à Sabrina. And then to Sabrina. Après tu vas écrire à Samantha. And then to Samantha. Et puis tu dors la nuit. And then you sleep at night. En disant Seigneur. Saying Lord. Que celle qui est pour moi réponde. Let that the one who's for me answer me. Quel parcours. Même les diables peuvent utiliser ça. Even the devil can use it for his favor. Imagine-toi que tu es parti voir deux sœurs. Imagine that you went to see two sisters. Et puis les deux sœurs te répondent. And the two sisters answer yes. Tu vas répondre quoi? What are you going to do? Alléluia. Amen. On ne va pas vers deux sœurs au même moment. You do not approach two sisters at the same time. Can God give me a good amen? On arrive vers les sœurs. We're getting to the sisters. Don't worry. Alléluia. Amen.
On ne suit pas plusieurs femmes au même moment. You don't follow many women at the same time. On n'écrit pas à plusieurs femmes sur Instagram. You don't text many women on Instagram. On n'écrit pas à plusieurs femmes sur WhatsApp. You don't text many women on WhatsApp. Un homme sérieux, the serious man, c'est un homme is a man qui est déterminé that is determined de suivre qu'une seule to femme. Follow only one woman. Lorsqu'un homme commence à parler à plusieurs start femmes speaking to many women. Lui-même, il n'est pas himself, il n'est pas assez franc pour dire he's not frank enough to say qu'il n'est pas sérieux that he's not serious. Parce qu'un frère qui est sérieux because a serious brother, et je prie que tous les frères and de l'église I pray that all the brothers of the church, de cette église of this church, ne puissent jamais faire l'erreur never make the mistake, de commettre cette erreur de suivre plusieurs femmes to follow many women at the same time. Que cet esprit soit banni nous et cette église être sérieux to be serious, c'est de parler qu'à une seule personne is to only speak to one si person. Ça ne fonctionne plus if it's not working, laisse la faire just là, let it go personne. And now you can talk to another person. Que de ces frères qui savent déjà ils sont en couple hein? There are some brothers who know that they're in a couple. Ils savent déjà que ça va pas arriver. They already know that it's not gonna move forward. Étant en couple, ils commencent déjà à parler de being in the relationship, they start talking to other sisters. Ils commencent déjà à faire un peu. They're already talking. They're already making sure they're talking to other sisters. Ils parlent au ministère de la santé, ministère de la finance, ministère de l'infrastructure. Attendant une réponse favorable. Waiting for a favorable answer. Un homme sérieux. A serious man. Lorsqu'il est en relation, whenever he's in a relationship and it's not working. Par respect pour lui-même. By respect for himself. Et pour la sœur. And for the sister with whom he is. Il attend d'abord d'arrêter la relation. He waits to stop the relationship. Et de commencer une autre après. And to start another one later. Et même quand tu finis une relation. And even when you finish a relationship. On ne se précipite pas à suivre les sœurs. You do not rush to follow sisters. Parce qu'un cœur blessé. Because a broken heart. Cherchera simplement une maison où se he's only gonna try to find a home to get comfort, not a woman, not a woman to marry. There are those people whenever they break up. Il regarde la première personne qui va. They look at the first person that's gonna come their way. Dès qu'il dit salut mon frère. As soon as the sister says hey brother. Il est même capable de dire directement à la sœur que je t'aime. He's even capable to tell the sister you know I love you. Parce qu'un cœur blessé. Because a broken heart. Avant d'aimer. Before loving. Doit être consolé. Has to be consoled. Et on ne console pas son cœur. And you do not console your heart. En se mettant en relation. But being in a relation, in another relationship. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? On ne console pas son cœur. You do not console your heart by entering another relationship right away. Tu vas faire souffrir l'enfant des gens. You're going to make others suffer for no reason. Amen. Parce qu'un cœur brisé ne peut que blesser. Because a broken heart can only break others. Mais lorsque ton cœur est restauré. But whenever your heart is restored. Et que maintenant tu fais bien. And that now you're good. Va maintenant à la chasse. You can come. You can mais go hunt. Qu'une seule but only hunt one person. C'est ça être sérieux. That's what it's called being serious. Est-ce que les frères m'ont donné un bon amen? The brothers give me a good amen. La deuxième cause de plusieurs échecs. The second cause of many failures. C'est d'approcher une sœur. To approach a sister. Avec le désir d'impressionner. With the desire to impress. Oh, tu sais, mon père il a de l'argent. Oh, you know my father has a lot of money. Si c'est ce que tu veux. Oh, you know if it's what you want, we can travel tomorrow to get the same. Ça dépend seulement de toi. It only depends on you. Tu sais, je vais te prendre ce soir. You know I'm coming to pick you up tonight. Je vais te conduire avec la Range Rover. But I'm going to drive you in the Range Rover with my father. Ou bien, tu préfères les Mercedes? Or do you like Mercedes? Ou bien, mon père aussi a un Bentley. Hein. Oh, you know my father has a Bentley. Vouloir impressionner rapidement. Wanting to quickly impress a sister peut causer un échec. Can cause a failure. Parce qu'on ne marie pas par impressario. Yeah. Because you do not get married on impression. On ne prend pas le cœur d'une femme parce qu'on l'a impressionné. You don't even get the heart of a woman because you impress on her. On prend le cœur d'une femme parce qu'on l'a conquérie. You grant her heart. You get on her heart because you conquered her. Pas par l'impression. And conquest is not done parce que by impression. Ce n'est pas ce que tu es réellement. Because impression is not what you truly et are. Et toute relation qui commence sous le mensonge. Every relationship that starts on a lie. Toute relation qui commence parce qu'on a any relationship that starts by impression. Ah, le frère Joël, quand il prêche la onction. Oh, brother, whenever he preaches, he has anointing. Les révélations qu'il a senti. The revelation that he came up with. Quand le frère Jesse dit sa part, whenever brother Jesse speaks in tongues. Quand le frère Jesse dit ça, whenever the brother Jesse speaks, he just impresses me. Combien de sœurs n'ont pas fait l'erreur d'être impressionnées par les serviteurs de Dieu qui étaient les bons prédicateurs mais les mauvais maris? Oui.
Parce que avoir l'onction ne veut pas dire que tu sais comment. Because having the anointing does not mean that you know how to love. Yes, talk about it. Je répète. Let me repeat myself. L'amour sont deux choses différentes. Anointing and love are two different things. Quelqu'un peut être un très bon prédicateur. Someone can be a good preacher. Oh, est-ce que vous arrivez à me suivre? Are you following me? Quelqu'un peut être un bon prédicateur. Someone can be a good preacher. Quelqu'un peut être un bon serviteur. Someone can be a good servant. Une sœur peut être une très bonne chanteuse. A sister can be a good singer. Une très bonne prédicatrice. A good preacher. Mais avoir l'onction. But having the anointing. Et servir Dieu. And serving God. Ne veut pas dire que c'est une bonne personne à épouser. Yeah, it's a good person to marry. On n'épouse pas. You do not marry. On ne choisit pas une personne. You do not choose a person because you are impressed. Je n'ai jamais vu un homme parler comme. I've never seen a man speaking like him. Je n'ai jamais vu une femme faire ce qu'elle fait. I have never seen a woman do what she does. Elle peut même t'impressionner par la nourriture. She can even impress you by food. Oh non, j'ai préparé ça pour toi, joke à maman. Saying that I cooked this for you, but in fact, it's her mother that cooked. La maman a préparé the mother cooked, un bol. And then she made a bowl. Elle t'a amené ça. And she sent it to you. C'est moi qui a préparé pour and toi. She's lying, saying that she's the one who cooked. J'ai préparé avec beaucoup d'amour, tu and sais. Saying that she cooked with a lot of love. Quand tu manges, and whenever you eat, tu vas chanter gloire à Dieu. You're going to sing glory to God. Quand tu entres dans le foyer, whenever you enter the household, you're going to start interceding for the food. Seigneur, I pray that tonight your food be good. Ce soir, que la nourriture soit bonne. Let that tonight your food be good. Comparé à hier. Compared to yesterday. Permet que cette nourriture soit bonne. Allow this food to be good. Alléluia. Amen. On ne va pas approcher une sœur. You do not approach a sister. Pour impressionner. To impress her. On approche une sœur. You approach a sister. En étant vrai. By being true. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire des choses. That doesn't mean that we're not going to do things. Qui attire l'attention. To attract her attention. Mais on ne fera pas des choses qui sont en dehors de nous-mêmes. But we're not going to do things outside of ourselves. Parce que lorsqu'on approche, il faut être because vrai. Whenever we approach her, we have to be true et and real. Être soi-même. And we have to be authentic. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Did someone give me a good amen? Oh, est-ce que les frères m'ont donné un bon amen? Did the brothers give me a good dis amen? Dis aux frères qui sont à côté de toi. Tell the brother near you. Arrête d'impressionner. Stop impressing. Sois toi-même. Be yourself. Dis le vrai qui l'entend. Sois tell toi-même. Him, be yourself. Alléluia. Sois toi. Who be you? You be you. Sois toi-même. La troisième des choses the third thing qui cause certains échecs that causes certain failures, lorsque les frères viennent approcher une sœur. Whenever the brothers come to approach a sister, ça va être un peu controversial, mais j'aimerais it's going to be controversial, but I'm going to say it. C'est de toujours draguer une sœur qui est à côté de toi. It's to always talk to a sister that's near you. Parfois, celle qui est pour toi, tu dois élargir tes horizons. Sometimes the one that's for you, you have to broaden your horizons. Parce que la personne est toujours à côté de toi. Because whenever the person is always near you. La personne te voit tellement tout le temps. That person sees you a lot. Et que la personne peut facilement avoir des critères qui sont différents. Criteria that are different. Pourtant, tu viendras avec un bon cœur pour l'approcher. But you're gonna come with a good heart to approach. Mais pourquoi toi tu choisis seulement des personnes autour de toi? But why do you always choose people in your entourage? Les personnes qui sont tout le temps autour de toi. People that are always in your entourage. Peuvent être les mêmes personnes qui ne vont jamais te permettre d'aller avec eux. Can be the same ones that will never allow them to allow you to go with them. Why? Parce que trop de rapprochement avant même la cour. Because so much familiarity before courtship peut déjà causer plusieurs problèmes. Can cause many issues. C'est pourquoi les frères. That's why brothers. Ne vous ouvrez pas rapidement aux sœurs. Do not quickly open to sisters. Parce qu'un frère doit être comme un mystère. Because a brother has to be like a mystery. Il doit approcher la sœur. He can approach a sister. Mais la sœur ne doit pas tout connaître directement. But the sister should not know everything ni right tout savoir. Not know. Parce qu'un livre ouvert because an open book that's done quickly, même le lecteur even the reader, ne sera pas intéressé de l'acheter. Not gonna be interested to buy it. Il est préférable d'acheter un livre it is preferable to buy a book that was not yet open à lire des pages than to start reading pages that we already know. C'est la raison pour laquelle tu ne lis même pas la that's Bible. The reason why you don't read parce the Bible que tu connais trop les because versets. You say that you know a lot of verses. Quand tu connais trop les choses, whenever you know a lot of things c'est difficile d'être intéressé à ces choses. It's difficult to be mais lorsque l'on est comme but whenever the man il is at the limit, he speaks to the sister but he has limits. Soeur, mais il sait se he speaks to the sister but he knows how to control himself. C'est plus facile d'approcher la soeur it's après. Easier to approach parce the sister later. Part aura le besoin because d'apprendre the sister somewhere would want to learn et de connaître la personne davantage. And to know the person more. Mais lorsque toi directement, tu but whenever soeur, you directly speak unto the sister, tu expliques toute ta vie. You explain your entire life. Tu t'étales comme quand tu vas dormir. And you just pray yourself as if you were sleeping. En 2006, voici ce qui s'est passé. In 2006, this is what happened. In 2008.
in 2009, what happened in 2006 can be the reason why the sister is going to say no. C'est pourquoi on n'approche pas by saying everything. Alléluia. Amen. Parfois, il faut savoir avoir des réserves. Sometimes you need to know how to have reserves. Avant d'approcher les personnes autour de nous. Before approaching someone near us. Quatrième point. The fourth point. Quand on va chez les sœurs. Quatrième point qui fait échouer certains frères. That makes certain brothers fail. Et ça, tout le monde va être d'accord. And that everyone will agree on. L'hygiène corporelle. Amen. Il y a des frères qui ont dit non. There are certain brothers who were rejected, not because they were not good looking, not because they don't dress well, mais parce qu'ils sont volume. Lui, il porte jamais de parfum. He never wears perfume. Et s'il porte un parfum, and whenever he does, nous tous on sait qu'il y a des parfums, parfums. We all know that there are perfumes and perfumes. Même dans la tribu des parfums. Even though he sells perfumes. Il y en a qui portent. Elle fait des citrons. Il y a parfum, parfum. There are perfumes and perfumes. Donne-moi d'abord la main. Make sure that whenever you're done eating, that your mouth smells good. Many people, they don't speak to them because their mouths don't smell good. Si tu sais que tu as déjà des problèmes dedans, if you know that you already have teeth issues, go to the dentist. Si tu n'as pas l'argent, if you don't have the money, achète même des paquets de gomme, just buy a pack of gums and tic-tac that you put in the car and in your bag, and you know that the time has come. Ça permet. Quand tu vas approcher, même la sœur va être disposée à soif. Attends d'abord pour Jésus. Ok, pray for the Lord. Alléluia. Volume. L'hygiène. Alcohol, hygiene. Frère, tu as porté la veste avant de mettre la chemise. Before you put the deodorant. C'est $2, $1. It's only $2 to $3. Walmart. You can go to Walmart, Dollar Tree, CVS, Walgreens, Target. Et les gens comprennent, c'est aussi les frères qui ne coupent jamais les cheveux. Brothers that never cut their hair. Tu n'es jamais bien coiffé. You are never well styled with your hair. Vous savez, ce sont des choses qui nous font rire. You know, those are things that make us laugh. But these are details that the sisters observe. Les hommes. Et la preuve, un frère qui ne coupe pas bien ses cheveux. That does not cut his hair well. Un frère qui ne sent pas bon. A brother that does not smell good. Un frère qui ne prend pas soin de son hygiène. A brother that does not take care of his hygiene. Même s'il a de l'argent. Even if he has money. La sœur ne sera pas intéressée. The sister will not be interested. That's true. À moins que la sœur soit tellement assoiffée. Unless the sister is really assoiffée. Elle change de frère avec l'argent. That she comes in and changes with the money. Pas fait pendant 25 ans. But what his parents did not do for 25 years. Le faire, they're not going to be able to do in one year. Ça veut dire que quelque part. Meaning that somewhere. Frère, oui. Brothers, are you listening? Hygiene. Si tu n'as pas de parfum, va acheter un parfum. Gloire à Dieu pour le frère Montagnel, il va vous montrer comment travailler la chose. How to work the thing. Alléluia. Amen. Achète un déodorant. Buy a deodorant. Prends soin de ta bouche. Take care of your mouth. Ne sois pas là en train de dire oh non parce qu'elle est cache-nez, je me protège. Don't be saying that because there are masks around, I'm protecting myself. L'intention est quoi, papa? Même si ta bouche sent mauvais, avec le cache-nez, oublie qu'elle est. If your mouth smells bad, a mask is not going to help you. Comment tu vas vivre? Alléluia. Prenez soin de votre hygiène. Take care of your hygiene. It's really important. Alléluia. Il y a plusieurs frères qui sont là. There are so many brothers here. Ils portent la même camisole qu'ils ont portée. Ça fait des semaines. They wore the same shirt for 2 weeks. Ils lavent leurs vêtements 2 semaines après, 4 semaines they après. They wash their clothes. Il y a même des frères qui font un mois, ils lavent pas leurs vêtements. Some brothers go a month without doing laundry. C'est quand la dernière fois que tu as lavé tes chemises?
Pauvre chemise café coton. Yes. Alléluia. Amen. On avance rapidement. We can move forward. La cinquième mauvaise approche, the frère, bad approach of a brother, c'est d'approcher une sœur avec de l'orgueil. With pride. Lorsqu'on approche une sœur, on ne vient pas l'approcher pour lui montrer qu'elle a besoin de toi. You don't approach her to show her that she needs you. Ses parents l'ont déjà éduquée. Her parents have already ses educated parents her. Lui. They fed her. Elle sort d'une bonne famille. She comes from a good family. C'est pas toi qui vas lui montrer qu'elle est désespérée pour toi. It's not you who's going to show her that she's desperate for you. Lorsque tu approches, approach, tu dois lui montrer que ce n'est pas elle, mais c'est toi qui as besoin d'elle. You have to show her that it's not her, but it's you that needs her. On n'approche pas une sœur avec de l'orgueil. Do not approach a sister with pride. En train de dire, même si tu me dis non, tu sais comment tu dis. Say even if I say no, there's so many girls running after me. Tu as vu mes likes sur mes photos? Have you seen all the likes of my tu as vu mes abonnés? Have you seen my followers? Tu as vu les gens qui me suivent? Have you seen the people following que tu me dises non. What are you saying? Yes or no? Pride kills. La Bible déclare que l'orgueil précède. The Bible says that pride precedes the failure. On n'approche pas des sœurs avec l'orgueil. You cannot approach a sister with pride. Frère, oui. Approche une sœur avec le cœur humble. Approach a sister with a humble heart. Avec la capacité de lui montrer with que tu ne sais pas aussi tout. You don't also know everything. Parce que ceux qui tuent plusieurs because personnes. Because what kills many people. Ceux qui tuent plusieurs personnes. What kills many people. Et pour la femme et pour l'homme. Either for men or women. C'est de montrer à la personne que toi tu sais tout. Is to show the person that you know everything. Toi, tu connais tout. You know everything. On peut rien t'enseigner. Nothing can be taught. On peut rien te montrer. Nothing can be shown to you. Tu habites à Dallas, ça fait 2 ans seulement. You live in Dallas for 2 years. Tu respectes même les quartiers de Tyler. Tu n'es jamais allé là-bas. You respect the neighborhood of Tyler, but you've never been there. Tu n'as jamais fait une entreprise. You've never mais tu done veux expliquer au frère comment commencer l'entreprise. But you want to explain to a brother how to start a business. Le problème, c'est de connaître tout. The issue is also to know everything. Lorsqu'on approche, whenever you approach, l'orgueil nous empêche de parler à la personne. Pride prevents us to talk to the person. L'humilité nous permet de montrer qu'on a besoin aussi d'aide. Humility helps to show that we also need help. Est-ce que personne m'a donné un bon amen? Did someone give me a good amen? Ah, on avance rapidement. Let's move quickly. Quelqu'un avec moi, septième point. Can someone give me the seventh point? Dis à ton voisin, septième point. Tell your neighbor the seventh point. Stop it. On arrive vers le cerf, hein? Le septième point, the seventh point, c'est l'enfantillage. Is childishness. Tu n'approches pas une sœur avec l'enfantillage. You do not approach a sister in a childish way. C'est déjà une preuve de plusieurs échecs qui arrivent. It's a proof of many failures happening. Lorsque la sœur que tu approches, whenever the sister you're approaching, tu lui parles toujours des choses qui sont ridicule. You're always talking to her about des choses qui ne sont pas importantes. Things that are not relevant. Tes conversations se basent sur des matchs de football. Your conversations are upon soccer games. Tes conversations se basent sur la prochaine PS5. They're upon the next PS5. Tes conversations se basent. Si elle pleure, il se passe en fait là pour le bruit, s'il vous plaît, et puis vous la ramenez. Les conversations sont basées your sur des jeux. Conversations are based on games. Les conversations sont basées sur des choses enfantines. They are based on childish things. Lorsqu'on approche une personne, whenever you approach a person, there has to be a sense of responsibility. La prochaine session the sur next la préparation session de mariage, on preparation of marriage, je vais enseigner sur comment un homme I'm se going prépare. To teach a man, I'm going to teach on how a man gets la dimension ready. Psychologique, the psychological mental, dimension, the mental dimension, et physique, the spiritual and the physical avant dimension de même as well. Before even wanting to get plusieurs married. Frères n'ont pas le mental du mariage. Many brothers do not have the mentality et ça for marriage. Demande à ce que lorsque tu approches une sœur, and it requires that whenever you approach a sister, tu lui demandes que tu n'es pas un enfant. That you ask her that you're not a child. Mais qu'elle puisse sentir un sens de responsabilité. But that she can feel a sense of responsibility. Quelqu'un me donne un très bon can amen. Someone give me a good amen. Quelqu'un me donne un très bon amen. Someone give me a good amen. On entre maintenant dans les réactions we're des sœurs. Entering in the reactions of est-ce the sisters. Que les sœurs peuvent dire amen? Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Can the sisters say amen? Oh, je n'entends pas les sœurs. I cannot hear the sisters. Parce que je commence avec le bon. Non, on commence d'abord avec les mauvaises réactions. I'm going to start with the bad reactions from sisters.
Vous savez, hein, you know, des sœurs peuvent tellement mal répondre à un frère, sisters can be so rude to a brother, que le frère est tellement dépassé. That the brother is so overwhelmed and shocked. Oui. Comme un poste qui m'a fait rire. Just like a post that made me laugh. Il va aller chercher un médicament à l'hôpital. He's going, a man is going to look for medicine at the hospital. Qu'on appelle la déception ici. That they call déception ministre. Deception place. Hein? Déception missile. C'est le médicament de la déception. He's looking for the medicine for deception. Tellement que les réactions ne sont pas bonnes. Because the reactions are so bad. Et c'est important pour les sœurs de savoir comment réagir to know how to react. Lorsqu'un frère t'approche. Whenever a brother approaches you. Même si tu n'es pas intéressé. Even if you're not interested. Il y a une manière de répondre. There's a way to answer. Première mauvaise réaction de sœur. The first bad reaction from sisters. Lorsqu'un frère vous approche. Whenever a brother approaches them. Ton, je pourrais dire la bouche de la sœur. I would say the mouth of the sister. Devient une radio. Becomes a radio. Tout le monde doit savoir que le frère l'a approché. Everyone has to know that the brother has approached. Yeah. À tout le monde, she would tell everyone dans son entourage, in her entourage que le frère m'a approché. That the brother has approached her. Il est même possible que le frère n'ait encore rien dit. It's even possible that the brother has been nothing. Mais dès que le frère lui parle, as soon as the brother talks to her, Martine, tu ne crois pas ce qui est arrivé. Mais en même temps, attends, connecte Joséphine. You have to connect Joséphine as well. On doit parler de ce qui s'est passé. We have to talk about what happened. Et tu commences à raconter à tout le monde. You start telling everyone. Le frère t'a parlé à une semaine, tu vas le raconter à ta maman. In one of the days, you go and tell your mother. Mamie, tu sais, tu es ma mère. Mom, you know you're my best friend. On se dit tout, hein. You tell each other everything. Tu vois le frère, là. You see that brother. Ça fait une semaine. It's been a week. Il fait que vous dites bonjour chaque matin. Saying hi every single day. C'est pas possible qu'il m'aime. It's not possible that he likes me. Même ta sœur va te dire, ma fille va étudier. Even your sister is going to tell my dad. Oh, Signan. Go and study. Lorsqu'on vous approche. Whenever you're being approached. Apprenez à garder les choses pour vous. Learn to keep certain things for yourself. C'est un respect pour vous-même. Yes. Parce que si la relation n'aboutit pas, les gens à qui vous allez parler vont commencer à se moquer de vous. Acclame d'abord pour vous. Tant que la chose n'est pas encore sérieuse, as long as the thing is not serious yet, maîtrise-toi. Yes. Il est joli, il est beau, il est approché, c'est pas le maîtrise. He can be good looking and approaching, you have to control yourself. Tout à tout le monde. You don't tell everything to everyone. C'est oui. Oui. Est-ce que je peux avancer? Non. Deuxième mauvaise réaction des sœurs. The second bad reaction of sisters. La sœur. The sister. Lorsqu'on l'approche. Whenever she's being approached. Non, elle va accuser. Pour que la personne chez qui elles sont là aille dire au frère qu'elles ne sont pas intéressées. That they want to speak. Go tell the brother that they're not interested. Laisse-moi d'abord parler, que je peux parler à quelqu'un. La maturité d'une sœur est démontrée par sa capacité à pouvoir garder les choses secrètes. On n'accuse pas lorsque une personne t'approche. Même si tu ne l'aimes pas. Even if you don't like the person. Laisse le frère avoir son yes. rôle. Yes. The brother to make the mistakes. D'ailleurs même, il trouvera une femme. Yes. As a matter of fact. Mais bien meilleur que toi qui as une femme. Donne-moi la main. Troisième mauvaise réaction des sœurs. The third bad reaction of the sisters. C'est de minimiser le frère qui t'approche. It's to minimize the brother that approaches you. Frère,
Le frère ne peut ne pas tout avoir. Sister, the brother might not have everything. Il peut même être en train d'apprendre à parler anglais. He may even be learning English. Il peut même être en train d'apprendre à parler français. He may even be learning how to speak French. Mais ce n'est pas une raison pour le minimiser. But it's not a reason for you to minimize. Parce que la même personne que tu minimises aujourd'hui peut être la personne qui va t'aider. Be the person helping you in the future. Et lorsque tu seras marié avec la personne que tu n'avais pas minimisée. And whenever you're going to get married with the person you did not diminish. Tu vas lui poser la demande d'emploi. It's at that brother's place that you're going to apply for a job in life. Do not diminish anyone. Tant que la personne n'est pas morte. As long as the person is not dead. As long as the person is alive. That person can become whoever on earth. Un frère n'est pas, tu n'es pas intéressé au frère. If you're not interested in the brother, ne va pas le diminuer chez tes amis. Do not go and diminish him to your friends. Un frère qui s'habille comme ça, moi je vais l'aimer. If you look at a brother dressing like that, am I going to like him? Un frère qui parle comme ça, moi je vais l'aimer. A brother that speaks like that, am I going to like him? Regarde comment il parle, regarde comment il s'habille. Look at how he speaks and dresses. Regarde comment il est en général. Look at how he is generally. La plupart des sœurs, elles vont pas dire amen, hein. La plupart des sœurs qui sont ici n'ont pas déjà minimisé un frère, plusieurs. Apprenons à respecter la personne qui nous approche. Amen, amen. Amen. Je disais amen, amen. I was saying amen. Je vais rapidement parce qu'on va répondre à quelques questions aussi. Et on va conclure à cause du temps. Si tu es béni, donne-moi un très bon amen. Je dis si tu es béni, donne-moi un très bon amen. I was saying if you are blessed, give me a good amen. La quatrième chose. The fourth thing. Qui est une mauvaise réaction des sœurs. That is a bad reaction of sisters. C'est de répondre avec insulte. Is to answer with an insult. Est-ce que toi tu t'es vu? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce qu'un frère comme toi peut être avec une sœur comme toi? Est-ce que tu as vu de quelle famille tu sors? Have you seen the family of which you come out? Tu veux marier une sœur comme moi mais tu travailles au warehouse? You want to marry a sister like me but you work in a warehouse? Toi tu vas prendre soin de moi? You're going to take care of me? Insulter la personne. Insulting the person. Diminuer la personne. Diminishing the person. On va parler des hommes, on parle aussi de toi. We're going to talk about men. We're going to mention you as well. Toi aussi, tu es homme. You're also a man. Toi. You. Ah. Wow. Sister. Dis à une sœur d'abord, arrête d'insulter. Tell a sister, stop insulting. Dis à moi une sœur, parle. Tell a sister, parle bien. Que le frère t'intéresse, que le frère ne t'intéresse pas, on n'insulte pas un homme. You do not insult a man. Alléluia. Amen. Attends, les rebelles, les bâtards, les rebelles. Can they also look at you as a man? Tu t'es vu. Have you seen yourself? Donc tu insultes avec facilité. You insult with such an ease. Alléluia. Amen. Amen. La cinquième des choses. The fifth thing. C'est de prendre avantage d'une personne avec qui tu sais que tu ne finiras pas. Yes. You know you're not gonna end up. Lorsque tu refuses un homme, whenever you refuse a man, refuse aussi son argent. Also refuse his money. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que le frère. It's not that the brother t'approche et puis tu as dit non. Approaches you and you say no. Mais tu continues à demander. But you're still asking. J'ai besoin d'aide. Tu peux m'aider avec ça? Et puis il t'achète des choses. And then he buys you things. Il t'achète un nouveau téléphone. He buys you a new phone. Et puis tu sais que tu n'as pas encore dit non. And you know that you haven't said no. Mais tu vas d'abord profiter un peu pendant quelques moments. But you're going to take advantage for a little while. Les sœurs sont méchantes, hein. Les sœurs peuvent tellement profiter d'un homme. They can so take advantage of it. Elles savent qu'elles ne finiront pas. That they know they're not going to end with. Mais elles ont la capacité de permettre le frère to, et le frère va faire une dépense, il va spend, donner au restaurant. You're going to take it to the restaurant. Oh. Et moi, généralement, j'appelle ça and we generally, I call that des frais non remboursables. Non-refundable fees. Parce que généralement, la sœur ne va jamais rembourser. Because generally, the sister is never going to refund the brother. On ne prend pas des frais non remboursables. You do not take non-refundable fees. With in a relationship, you're not going donc, to go forward. Give me a good amen. Le frère est intéressé. The brother is interested. Tu n'es pas intéressé. Il te fait un cadeau. Dis aussi non. He gives you a gift. Yes. You can say no as well. Oh. Je parle à une sœur. Am I speaking to a sister? Il t'a acheté une chaînette. He bought you a necklace. Mais toi, tu sais que tu ne finiras pas avec. But you know you're not going to end with him. Dis-lui, mon frère, la chaînette est très jolie. My brother, the necklace is really nice, but you can keep it. De peur que le frère. Just in fear that the brother.
J'ai un frère que je connais. I have a brother that I know. Il a fait la cour à une sœur. He courted a sister. Et un jour, la sœur lui a dit non. And one day, the sister said no. Après plusieurs mois. After many months. La sœur dit toujours, laisse-moi le temps de prier. The sister was like, just give me some time to pray. Et lui aussi, c'est un serviteur de Dieu. And he's also a servant of God. La sœur l'a fait marcher pendant 5 mois. The sister made him walk for 5 months. Le cinquième mois, la sœur va dire au frère, je pense que tu n'es pas l'homme pour moi. I believe you're not the man for me. Le frère s'est assis d'abord. The brother sat first. Il s'est levé. And he stood up. Il s'est assis encore. And he sat down again. Il a pris le téléphone, il a commencé he à m'appeler. He took the phone and he called me. Avant de me dire qu'est-ce qui s'est passé. Before telling me what's happening. Il me dit prophète. He told me prophet. La what should I do? Je lui pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tell me what should I do? Mais qu'est-ce qui se passe? But I'm asking him what's going on. He said, prophet. Narrow-moi mon Dieu. I'm going to kill someone. Je lui pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? I'm asking him what's going on. Il me dit, prophète, là, my money. Je lui dis. J'ai dit, comment ton argent est parti? I said, how did your money et lui, la soeur m'a fait marcher pendant 5 mois. Made me walk for 5 je l'emmenais au restaurant. I was taking her to the restaurant. Elle mangeait même les desserts. She was eating even elle m'a fait marcher pendant 5 mois. Made me walk for 5 je l'emmène dans un magasin. I was taking her to a shop. J'achète. I was buying pas un cadeau, des cadeaux. Not only one, comme two, elle a 4 sacs. As she has 4 que j'ai acheté. That I bought. 2 Michael Kors. 2 Michael Kors. 2 Tory Burch. Les 2 Tory Burch ont coûté 150 dollars. Les 2 Michael Kors ont coûté 100 dollars. Michael Kors cost $100. Il m'a dit prophète, je suis en train de compter. The prophet, I am counting. Non, ça calcule. I am doing the calculation. Il y a 5 mois. Of 5 months. Il m'a dit prophète. He said prophet. Il a dit, cette sœur. He said that sister. Tant que je suis vivant. As long as I'm alive. J'ai dit non, ne fais pas ça. I told him, no, parce que ça c'est le temps de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? So what's happening? La sœur l'a fait marcher tout en sachant qu'elle n'allait pas être avec. Elle a fait quoi? Elle a fait un avantage. Parce qu'elle sait que le frère l'aime. Et le frère va l'acheter. Le frère va faire. Même si elle appelle à 3h du matin, le frère, même s'il est en prière, il va quand même regarder l'appel. 5 mois. 5 months. Facture. He's doing the calculation. Il m'a dit prophète. And he told me prophet. Elle me doit plus de 1000 et quelques dollars. She owes me more than $1,000. Laisse-moi parler à des frères. Hein? Let me speak unto some brothers. Quand une sœur ne t'a pas encore dit oui. Whenever a sister has not said yes. Et quand vous n'êtes même pas encore fiancé. And whenever you're not even engaged. Garde ton argent. Keep your money. On ne va pas être avec une soeur qui n'est même pas prédotée. Tu vas chez Gucci. Brother. Tu vas te lever. You're going to stand up and sit down. And stand up again. Tu vas commencer à appeler. You're going to start calling people and ask them what you should do. Les frais non remboursables. Non-refundable fees. Beaucoup de sœurs sont comme ça. C'est vraiment la vérité, elles sont comme ça. Elles peuvent bouffer l'argent d'un frère. Tout en sachant que. Voilà. Ah, évitez que j'ai déjà jumpé ma gauche. J'ai mal au dessus à droite. I already have more than guy on my right. Ça, c'est mon sugar daddy. Tu vas aller à mon frère. Des millions de millions. Faites attention. Brother, you have to be careful. Frère, oui. Oui. Frère, oui. 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 On ne dépense pas l'argent. Do not spend money before the time. Ma sœur. Sister. Qu'on continue seulement. We can just move forward. La sixième mauvaise réaction, parce qu'on va avancer. Bad reaction because we have to move forward. C'est aussi une réaction avec orgueil. It's also a reaction with pride. Lorsqu'un frère approche, whenever a brother approaches, en tant que sœur, as a sister, on ne démontre pas au frère, you do not demonstrate to the brother, qu'on est trop bien pour lui. That you are too good for him. Lorsque le frère t'approche, whenever the brother approaches on you, ne répond pas avec orgueil. Don't answer with pride. Que ton papa soit un ministre, whether your father is a minister, la maladie, sickness, peut l'enlever du poste. Can remove him from the
Que ton papa soit le frère, le maire, ami du président. Whether your father be the best friend of the president. His bank account can be frozen. Ne jamais croire que les faveurs de Never ta famille believe that the favors of your family te rendent meilleur que ceux qui n'ont pas de la même chance. Make you better than those who do not have the same chances. Voilà, qui ne sont pas nés dans la même famille. Some people do not have the same family. Opportunités. Or do not have the same opportunities. Pas les mêmes faveurs que toi. Not the same favors as you. Ça ne veut pas dire que tu es that meilleur does not que mean eux. That you're better than them. Quelqu'un me donne un bon amen. Can someone give me a good amen? Une sœur. A sister. Qui craint Dieu. That fears God. Qui aime Dieu. And loves God. Lorsqu'elle répond à un frère. Whenever she answers a brother. Elle répond avec sagesse et humilité. She answers with wisdom and humility. Même si elle sait qu'elle n'ira pas even loin. Even if she knows she's not gonna go elle far. Elle va pas répondre avec orgueil. She's not going to answer with pride. Et une sœur, l'erreur qu'une sœur peut commettre. And the mistake a sister can make. C'est de commencer à hausser la voix lorsque l'homme approche. L'homme te parle, tu commences à crier. L'homme te parle, tu commences à monter. L'éducation est un grand problème. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont jolies. Mais mal éduquées. But they're not well beaucoup de sœurs. They're so impolite. La manière qu'elle parle, the way they talk, le dédain qu'elle donne aux hommes. Surtout les sœurs-là qui sont ici, elles sont bien lorsque le frère l'approche, whenever the brother approaches them, she starts walking and looking back. Les fiers que tu es en train de faire aujourd'hui. All the pride that you're doing today. Je te donne 5 ans. I am giving you 5 years. Tu ne feras plus ça. You're no longer going to be that. Tu seras la même sœur. You're going to be that same sister. Tu vas commencer à venir à l'intercession. That's going to start coming to the intercession. Seigneur. And say, Lord. Bazawa. Where are they? Ils sont partis où? Where have they gone? Le frère qui s'intéressait à moi. The brother that were interested in me. J'ai toujours dit. I've always said. La beauté d'une femme, c'est comme la fleur. Hein? The beauty of a woman is like a flower. Le beauté, le matin, elle est éclatante. In the morning, she's shining. La nuit, elle fane. In the evening, she just falls. Tu commences à être orgueilleuse maintenant. You start being prideful right now. Attends seulement 2 ans. Just wait 2 years. Tu verras à quel point tu n'arriveras pas. You will see how you're not going to be able to do it. Lorsqu'il y a beaucoup d'hommes qui commencent à t'approcher. Whenever many men approach you. Tu es entre 25 ans et 30 ans. You're between 25 and 30. Apprends déjà à considérer. Start considering. Parce que après 30 ans. Because after 30. Mais après 10 ans. Tu cherches un homme qui a des abdominaux. You're looking for men. An athlete, un sportif, an athlete, or someone who does exercise, avec une petite barbe, who has a small beard, et qui parle bien français, who speaks French well, de 25 ans, from 25, à 30 ans, until 30, tu cherches un homme qui a une vision, you're looking for a man that has a vision, un responsable, who is responsible, qui sait ce qu'il veut faire dans la vie, who knows what he wants to do in life and where he's going. Là, ton degré de critère des abdos diminue. There, your degree of criteria is lower. 30 ans à 35 ans. From 30 to 35 years. Là, tu cherches. Now you're looking. Tu cherches simplement. You're looking for a man. De partir un peu rapidement. Hein? Okay. You know, pastor. Même le premier peut être le bon. Even the first one can be the best. À ce niveau, at that level, tu dis vraiment à tes amis. You tell your friends. Bah, qu'il y en a quatre, on sait. Okay. You just have to be a human being. I'm inspiring. Super, Kaka. Alléluia. Amen. Même s'il n'a pas l'argent, là, là tu cherches même pas un frère qui a l'appel de Dieu. At that age, you just need a brother that prays. Even if he's praying for 10 years, he needs to pray. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. May God be glorified. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Can we stop praying for God?
Il nous reste 20 minutes. We have 20 minutes left. On va chuter avec quelques bonnes réactions. We're going to end with a few good reactions. Et je prendrai vos questions. And I'm going to take your questions. Alléluia. Amen. 4 ou 5 bonnes réactions des sœurs. 4 to 5 good reactions from the sisters. Une bonne réaction d'une sœur. A good reaction from a sister. Lorsqu'un frère l'approche. Whenever she's being approached by a brother. Une bonne réaction. A good reaction. Serait de dire au frère. Would be to tell the brother. Merci. Thank you. Je vais réfléchir. I am going to think. Je te contacterai. And I'll go. Contact you. Just give me some time. La sagesse. Wisdom. Te permet de répondre. Allows you to en answer. En sachant qu'avant que le frère t'ait abordé, il t'a aussi observé. Before the brother has talked to you, he has observed you. Tu as le droit de lui dire respectueusement. Tell him respectfully. Donne-moi aussi le temps. Also give me the time. De réfléchir. To think. Yes. Parce que pendant le temps de réflexion, tu auras l'opportunité de pouvoir bien lui répondre. Ça ne veut pas dire que parce qu'il t'a fait la cour et que tu es au moment de réflexion, que tu ne salues plus le frère. Vous vous voyez même à l'église, bonjour, ça va, vous saluez, mais vous, tous les deux, vous savez ce qui se passe. Et avec le temps, elle répondra. Deuxième bonne réaction des sœurs. Lorsque le frère t'approche, apprends à sonder son entourage. Parce qu'il y a des choses que tu ne connaîtras que par ses amis. Because there are things that you're gonna know from his friends. Observe qui sont les gens autour de lui. Observe the people around him. Qui sont les personnes qui le conseillent. Who are the people advising him? Est-ce que ses amis sont d'une légèreté? Are his friends really ou est-ce que ses amis sont si sérieux? Or are they serious as well? Parce que l'entourage déterminera ce qui est fait dans le futur. To you in the future. Amen. Amen. La quatrième bonne réaction, troisième bonne réaction. The third good reaction. Donne aussi au frère. Also give to the brother. L'assurance de savoir que tu as bien compris ce qu'il a dit. The assurance that you understood well what he told plusieurs you. Plusieurs sœurs lorsqu'elles répondent. So many sisters whenever they elles répondent sans vraiment comprendre la base et la nature du message. The base and the nature of the message. Lorsque le frère dit qu'il veut apprendre à te connaître. Whenever the brother says that he wants to learn ça to know pas dire qu'il t'a demandé en mariage. Yes. That doesn't mean that he asked you for marriage. Apprends à bien comprendre les intentions. Try to understand the intentions. Le frère peut t'approcher et dire j'aimerais bien ça ne veut pas dire qu'il veut être ton copain. That does not mean that he wants il to peut be ton connaître en tant qu'ami et se limiter là. Avant de donner une réponse, donne une réponse sage et réfléchie parce que tu as compris le message. Because you understood the message. Tout frère qui veut apprendre à te connaître every ne veut pas forcément te draguer. Get to know you does not want to end with you. Alléluia. Amen. Et la dernière bonne réponse, afin qu'on puisse conclure, c'est de pouvoir répondre avec respect et courtoisie. With respect and courtesy. Ça veut dire, that means, de la même manière que le frère t'a respecté en t'abordant, the same way that the brother respected you by approaching you. Permets-toi de lui répondre avec respect. Also allow yourself to be respectful ne te permets pas de lui répondre avec des mots légers. Don't allow yourself to answer with oh non, si, si je le réponds froidement, c'est là qu'il va comprendre que je ne suis pas intéressé. That's how he will know that I'm not interested. C'est l'enfantillage. That's being childish. Répondre yes. froidement montre que tu es immature. Yes. Answering in a cold way shows that you're childish. Répondre froidement ne veut pas dire qu'il va comprendre. Answering in a cold way does not mean that he will understand. Respectueusement. Answer respectfully. Salut frère, j'espère que tu vas say, bien. Hi brother, I hope you're doing est-ce qu'on peut good? Se parler? Can we talk? Et tu lui expliques avec maturité qu'il y a telle maturity, chose qui fait en sorte que tu ne veux pas. That et tu assures au frère que cela ne veut pas dire que votre relation deviendra froide. Parce que toi, tu as dit non. Because you say no. Ce n'est pas parce que la sœur dit non au frère qu'elle doit commencer à entretenir une relation encore, une relation froide avec le frère. Non, on peut rester frère en Christ, même servir à l'église sans qu'il y ait un problème entre moi et toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on a le temps de prendre deux questions, quatre questions, cinq questions? Est-ce qu'il y a déjà des questions? Do we have questions? Alléluia. Si vous avez des questions, envoyez au frère Joël. Si vous n'avez pas le numéro du frère Joël, levez la main, on va vous donner un micro. You can just lift up your hand and we're gonna give you a mic. Ils n'ont pas écrit. Est-ce qu'ils ont écrit? Ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Does someone here have a question? Une question sur l'approche. A question on the approach. Sur la réaction. And the reaction. Et comment répondre. And how to answer. N'aie pas honte.
Don't be ashamed. Donne le micro à la sœur. Shalom tout le monde. Shalom. Ok, j'ai une question. I have a question. Pour la culture africaine, for the African culture, la femme n'est pas censée approcher l'homme. Women are not supposed to approach men. And growing up in America, et grandir aux États-Unis, pour 11 years, pendant 11 ans, c'est normal. Mais moi, je garde ma culture africaine. But I keep my African culture. Maintenant, je vais demander pour ceux qui me demandent de pour une femme d'approcher un homme. I usually say non. Je le dis souvent non. But I will ask. Mais okay. Je demande, okay. Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? C'est une très bonne question. That's a good question. La culture africaine, the African culture, est une très bonne culture. It's a good culture. Une culture qui sollicite beaucoup de respect. A culture that encourages respect. Et qui sollicite beaucoup de maturité. And also maturity. Mais cela ne veut pas dire qu'on se limite qu'à notre culture. That we limit ourselves to our culture. Il est possible qu'un frère that a brother, envers qui toi tu es intéressé that you're interested in, n'ait jamais eu l'opportunité de faire le premier pas. Never had the opportunity to make the first step. Ça ne veut pas forcément dire que c'est toi qui vas lui dire que tu es intéressé. That does not mean that you're going to let him know that you're interested. Mais tu peux avoir des stratégies. But you can have qui permet au frère de savoir que tu es ta manière de lui parler, the way you speak to him, ta manière de le regarder, the way you look at him, ta manière de vouloir le servir, the way you want to serve him, ta manière de l'aider, the way you want to help him. Il peut être un frère qui est en train de faire des travaux that works de business. In businesses. Il sent que tu es en train de t'investir dans son quotidien. He feels that you're investing yourself in his daily life. En fait, tu ne le dis pas encore, mais you tu le yet, démontres que tu t'intéresses à sa vie. Him that you're interested in his et life. Quelque part, tu as l'impression que dans sa vie, that in his life, il manque une place qui est à toi. There's a place missing that belongs to you. Sans besoin de lui dire que tu l'aimes. Without telling him that you love him. Mais ton investissement dans your sa investment vie quotidienne, in his life, comment tu vas? How are you doing? Take care of you. Il y a des sœurs, elles there sont intéressées. Here, elles savent même pas comment texter. They don't even know how to text. Elles savent même pas comment parler au téléphone. They don't even know how to speak on the phone. C'est quand tu les vois en face qu'elles sont différentes. It's when you see them in face that they're different. Frères, but there are other brothers. Ils préfèrent parler au téléphone. They prefer to speak on the d'autres, phone. D'autres, ils préfèrent texter. Other brothers prefer apprends to text. Apprends quelle est la manière où il est plus ouvert lorsque tu parles. The way where he's more et open tu dis l'homme qui t'intéresse. And you say you talk about the man that you're interested in. Et par sagesse tu sauras comment wisdom, avoir des stratégies qui peuvent attirer son attention. Ça c'est si tu veux garder ta culture. That's when you want to keep your African mais si culture. Tu sens que ah but if you feel that time, tu veux sauter la culture. And you want to go above the culture. Tu peux toujours venir approcher you et can always dire, approach the brother and say, frère, brother, bonjour. Hi. Comment vas-tu? How juste you pour doing? Te dire que tu es très bien habillé. Just to let you know that you're well dressed today. Aussi. And then you stop there, you wait. Quelques temps après, tu reviens. A few times you come back. Salut frère. And say hi brother. Comment est-ce que tu travailles? How tu do you commences work? À lui poser des questions you qui sont personnelles. Asking questions that are personal. Comment tu vas? How are you doing? Tu n'es pas trop fatigué, je sais que tu travailles beaucoup. I hope you're not tired because you work a lot. Juste un message pour te dire de prendre soin de toi. Just a message to tell you to take care of yourself. Tu lui as dit de prendre soin de toi. You told him to take care of himself. La semaine qui va suivre. But the following week. Tu lui écris un message. You're going to write a subtle message. Salut frère, comment tu vas? Hey brother, how are you? Juste te souhaiter une bonne journée. I just wanted to wish you a good day. Prends bien soin de toi pour moi. No way. Et même le frère aussi peut écrire à la sœur de cette manière. Pour montrer à la sœur déjà que ah, tu es pour moi. Prends bien soin de toi, ma sœur, pour moi. Alléluia. Donc, il faut garder ta culture, mais sois stratégique. Ça va beaucoup t'aider. Une autre question rapidement. Rapidement. Je suis très étonné que vous n'avez pas des questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens. I'm very surprised because no one has a question. Donnez le micro à papa. Merci beaucoup. En fait, je n'ai pas une question. I don't have a question. Mais j'ai plutôt un petit commentaire. But I have a little comment. D'abord, je suis très content. But I am very happy.
de l'invitation qui m'a été offerte. Of the invitation that was given to me. Pour être avec vous ici. To be here with you. Parce que ça fait plusieurs mois. Because it's been many months that they speak to me about you. De l'église. Of the church. Et le fait que vous vous réunissez. And of the fact that you gather. Pour prier. To pray. Pour essayer de veiller l'Esprit Saint entre les compatriotes. Keep the Holy Spirit among the Protestants. And for me, it is un très grand plaisir. A great pleasure. Je crois que loin du pays, away from the country, quand je tourne, whenever I turn around, je me rends compte que I realize 99%, that 99% nous sommes entre nous, were among ourselves, les Congolais, were Congolese. Et c'est une grande fierté. And it's a great pride. Une très grande fierté. A great pride. Je crois que ce sont des choses I know these à encourager. To encourage. Et je demanderai and I believe I would à ask toutes les sœurs, to à tous les frères ici présents, present here, de ne pas être distrait. Not to be distracted. De ne pas déranger. Not to bother or disturb. Quand il y a des messages pareils. Whenever there are messages like that. C'est tellement profond. It is so deep. Aujourd'hui, vous avez si bien dit. Today you said well. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Maybe people are not understanding. La portée de ces messages. The Dans cinq ans, ils comprendront. They will understand. Je suis parent. I am a parent. Je sais là d'où je viens. I know where I come from. Les mots qui rongent notre pays. The evil that c'est la cellule mère, c'est la famille. Is the family. Aujourd'hui, today, je viens de Kinshasa. I come from Kinshasa. Je suis arrivé le samedi passé. I arrived last Saturday. Notre pays a un problème. Our country has an issue. Un grand problème. A huge issue. Et parmi les causes, and among the causes, c'est la famille. Is the family. Kinshasa est plein d'échecs aujourd'hui. Kinshasa is full of people of Kinshasa the est plein de kuluna aujourd'hui. Kinshasa is full of thieves. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de circuler à 19h à Lemba. You cannot allow yourself to go out in Lemba at 7 p.m. À Yolo. Or any other neighborhood. Avec tous les risques d'être volé. With all the risks to be robbed. La cause, c'est la famille. Is the family. Donc, ce que vous dites là, so whatever you're saying, il faut que les gens prennent ça au sérieux. People have to take it seriously. Au sérieux, je l'ai dit. Seriously. Parce qu'on ne peut pas bâtir une nation, because we cannot build a nation si on échoue au niveau de la famille. If we fail at the level of the family. Je vois des frères et des sœurs qui sont ici. I see brothers and sisters here. Vous serez une grande église. You're going to be a big church. Vous serez une grande église. This is a great church. Mais pour que cette église puisse parler demain, il faut solidifier les sœurs, les frères qui sont ici en famille. Parce qu'à travers eux, them, il y a les enfants, je vois les enfants ici, well, qui vont grandir avec vous. Que ces enfants puissent avoir cet amour de vivre en famille. Of living in a family. C'est pour ça. That's why. Je voulais insister pour dire ce que vous dites là. Continuez. Continue. Pour que les frères et sœurs qui sont ici comprennent l'importance du couple. Je vais pas aller loin. I'm not gonna go far. Vous avez dit bien qu'il y a des choses que vous allez dire quand vous serez mariés demain. Mais si j'ai l'occasion un jour de revenir parler de l'expérience dans les couples, of the experience in a couple, je le ferai I will do it avec beaucoup de volonté. With a lot merci. Of desire. Thank you. On se fait applaudir pour d'abord. Merci beaucoup. Thank you. C'est très touchant. That was touching. Que Dieu soit loué. May God be blessed. De tels messages nous encouragent. Those messages encourage us. Nous sommes déterminés de continuer. And we are determined to continue. À enseigner la vérité.
teaching the truth et de permettre à tout le monde and de grandir to allow everyone to grow dans cette connaissance et sagesse. Knowledge and wisdom. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. May God be blessed. Nous sommes déjà à la fin, mais on peut prendre une question ou deux de plus or two more questions. Rapidement et nous quickly, allons conclure. We're going to conclude. Est-ce qu'il y a une personne qui a une question? Is there a person that has a question? Pourtant, je sais que beaucoup de frères avaient des questions. But beaucoup I know de sœurs many brothers avaient des questions. Mais bizarrement, but oddly enough, je sais que la sœur Cynthia a une question. Rapidement. Je sais que mon message était très profond. I know that my message has given a lot of answers. Je sais que mon message a donné beaucoup de réponses. I know my message has given a lot of answers. Okay, go ahead and ask the question. We all come from Africa. They usually say that la femme doit être compliquée. That women have to be complicated. She cannot be promiscuous. She has to show character whenever a man approaches her. Si un homme vient et te dit que je suis intéressée, tu dois lui montrer ce côté-là un peu compliqué. You have to show him that complicated side. Et tout. Est-ce que c'est vraiment important? Is that truly important? Pour une femme de se comporter comme ça. Parce que une fois que tu dis because as soon as you say yes to a man. Une semaine ou deux semaines, one or two weeks on va te traiter de légère. They're going to say that you're very promiscuous. Est-ce que c'est important d'être compliqué? Is it important to be complicated? Quand tu sais que tu peux dire oui, when you know that you can say yes, because that's your answer. It's easy to just say yes. Ou c'est juste facile d'être compliqué. C'est une très 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 bonne question. That's a very good question. Voici ma réponse. That's my answer. Déjà, selon la parole de Dieu, first, according to the word of God, y a un caractère que, nous développons, that we develop, pas en tant que Congolais, not as ou Congolaise, not as Congolese, mais en tant qu'enfant de but Dieu. As children of God. Tu ne réponds pas parce que les Congolais sont comme ça. You do not answer because Congolese are like mais tu réponds parce qu'en tant qu'enfant but de Dieu, voici la bonne manière d'avancer. Right way to move forward. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans la culture congolaise, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu. Alors, notre manière d'agir est basée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Tu sais que lorsque Jacob a aimé Rachel, ils se sont aimés le même jour. Ils se sont aimés le même jour. They loved each other the same day. Mais c'est Jacob qui a proposé de travailler 7 ans. Jacob that proposed to work for 7 years. Si Jacob n'avait pas proposé if ça, Jacob did not ils allaient même se marier plus rapidement. They were gonna get married even faster. C'est Jacob qui a dit, Jacob that said, vu ta beauté et ta famille, your beauty and your family, je vais travailler pour être avec work toi. To be with you. Mais le même jour, la Bible dit, je vais chapitre 26. In Genesis 26. Dès que Jacob a rencontré Rachel, le même Jacob jour, met ils Rachel, se sont embrassés. They kissed. Ça, c'est selon la parole de that's Dieu. According to the word of God. Prenez la première partie, pas la deuxième. Alléluia. Mais moi, je crois que Dieu l'a puni à cause de ça aussi. But I believe that God punished him because parce que of je suis prédicateur de la sainteté. Because quand même. I am a preacher of holiness. Alléluia. Amen. Il a embrassé la sœur le même jour. Dieu l'a fait attendre 14 ans. And God made him wait 14 years. Toi qui es en train de consommer avant le moment, Dieu va te faire attendre encore. God is going to make you wait even longer. Alléluia. Amen. Tu es en relation, garde tes lèvres pour toi. Keep your lips for yourself. Oh. Amen. Tu es en relation, garde tes lèvres pour toi. Tu lui dis, mon frère, tu ne touches pas tant que tu n'as pas honoré. Brother, you do not touch unless you honor them. Tu gardes ça pour toi. You keep them for yourself. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc je dirais, so ne réponds pas en fonction de ce que ton entourage te dit. Réponds en fonction de ce que Dieu te dit à toi. To what God tells si Dieu te dit c'est l'homme, if God tells you that it's the man, prends le temps d'observer selon toi. Take the time to observe according mais quand to tu es convaincu, but whenever you're convinced, ce n'est pas un péché de se mettre en relation après une semaine. To be in a relationship ce n'est même pas un péché de se mettre en relation le même jour to be in a lorsque tous les deux day. Vous saviez que vous étiez en train d'apprendre à vous connaître. Et puis le frère de te demander d'être sans couple. And then the decision to ask you out. It's not the same. Alléluia. Amen. Donc être coriace, compliqué. So having to be complicated. Et même, hein, une femme trop compliquée, ça enlève la beauté. A woman that's too complicated takes away the beauty. Je connais un frère aujourd'hui qui s'est marié. I know a brother today that got married. C'est un frère à moi.
Avant qu'ils se marient, on l'a aidé. Before getting married, we had to help. Que Dieu me donne des frères qui vont m'aider comme ça. Il y a un frère à moi, il s'est marié aujourd'hui. There's a brother to me that got married today. But whenever he started courting the sister, la sœur lui a fait the ça. The sister was so complicated. La sœur d'abord se moquait de lui avant parce que la sœur croyait qu'il était bridé. Because she thought that he was homosexual because of the way that he was walking and carrying himself. And she would think that he was like a woman. But today they are married. Ah, alors le frère, parce qu'il a une manière de parler très composé. So the brother is really composed. Pas trop fort, and he doesn't have a huge voice. He's really soft. C'est un peu ça. Alors la sœur dit, il est comme une fille. So the sister was saying that he was like a woman. Et puis la sœur, maintenant, le frère lui pose la question, est-ce que je peux te récupérer à la maison pour te déposer à l'église pour le culte? La sœur prend le message et répond. Sister, she takes the message and say, ne me demande pas des choses que moi, je ne t'ai pas demandé. Ask me things that I have not asked you prior. Si je ne t'ai pas demandé de if me récupérer, I have not asked you to pick ne viens pas me demander. Don't ask me. De toute façon, je n'en ai pas besoin. Anyways, I don't need it. Mais pendant qu'elle parle là, elle n'a même pas de voiture. She does not even have a car. Mais et elle a fait souffrir le frère pendant plusieurs moments. Nous-mêmes, on l'a appelé au téléphone. On l'a dit, sœur, nous acceptons. Tu es très belle. You're very beautiful. Tu es jolie. You're very beautiful. Les hommes sont attirés vers toi. Men are attracted mais tu vois you. Ta manière de répondre. But you see the way you answer. Elle te rend vilain. It makes you ugly. Arrête de répondre comme ça. Stop being rude. On lui explique parce que nous sommes responsables de la jeunesse. Because we're responsible when she was in the youth, we were explaining unto her. Elle a commencé à s'ajuster. And she started adjusting herself. Aujourd'hui, ils sont mariés. Today they're married. Ok, une dernière question. On va avoir une question derrière. Une dernière question. Qui avait levé la main derrière? Personne. C'était pas toi, Joe. Ici. Derrière vous. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Marie. My name is John. Jean-Marie. Oui. Wow. En fait, ma question est la suivante. This is my question. Comment faire lorsque vous approchez une sœur? How do you do whenever you approach a sister without any thought, just getting to know her? Et après, elle est emportée par ses sentiments. And then she's carried away by her feelings. Et après, vous voyez une autre sœur dans laquelle vous êtes vraiment attentionné. And then you see another sister where you are interested. Comment pour un aventurier? And then she thinks that you are just a player. Comment faire dans cette how do you do in that situation? Merci. Okay. Donc, le fait en train de dire comment so faire quand tu es intéressé à une sœur. How do you do whenever you're interested in a sister? Elle est emportée par ses sentiments. And she's carried away in her feelings. Et puis après, elle te répond par ses sentiments. And then later, later you find someone you like. Il veut connaître la personne sans arrière-pensée. The girl carried away her feelings, and then you find someone who is interested. Okay. Donc, qu'elle s'en porte pas, mais qu'elle revienne, hein? She shouldn't be carried away. Ok, bon, je crois que on peut approcher une sœur, mais on ne peut pas déterminer également forcément la réaction de la sœur. Surtout si tu es de son genre. Especially if you're her type. Ou bien surtout si elle l'attendait. Especially if she was waiting for that. She was just waiting for that. Elle peut directement s'emballer. She can already be happy. Et même perdre la raison, les pédales. Even lose her pedals. Mais il est possible de pouvoir recadrer la sœur. To adjust her. Parce que, écoute-moi très bien, me, dans la relation, in the relationship, la personne qui va diriger comment la relation the avance person that has to lead how the relationship parce que c'est en fonction du sérieux de l'homme que la because femme va te suivre. It is, it comes to the serious of men les that frères, the woman will amen. Follow. Si le frère n'est pas sérieux, if the brother is not serious, il ne pourra pas diriger la sœur. Parce que c'est la sœur qui va être the épousée sister par le frère. To be married by ce the n'est brother. Pas la sœur qui va t'épouser. It's not the sister that marries the mais brother. C'est toi qui dois but lui dire the brother that has to tell pour her, l'instant ne sois pas emballé. For now, don't be too happy. Apprenons à être d'abord let's avec lui. Be friends for now. Parce que toute relation amoureuse because qui n'est pas every soutenue relationship par that's not based on friendship, quelque part n'est pas forte. Somewhere is not strong. Alors, même si elle s'emballe, so even if she gets carried away, terre, just bring her back on her dis-lui, and tell her, let's amis. Just be friends first. Et on peut être amis pendant and deux we can mois. Be friends for 2 months. On peut être amis pendant 3 mois. We can be friends for 3 months. Moi, je connais une personne qui est fiancée aujourd'hui. I know a person that is engaged today. Il est fiancé, il était ami à la personne depuis très longtemps. He was friends with the person for so long. Mais malgré l'amitié, but despite the friendship, il a pris 2 mois avant de prier, 2 mois pour prier avant de se mettre he en relation. Took 2 months to pray before entering the relationship. 60 jours, il y a ma bonne Nelly.
60 days of prayer. Parce qu'il voulait pas que l'amitié influence son choix. Because he didn't want the friendship to influence his choice. Donc même lorsqu'on devient ami, so even when you become friends, c'est dans l'amitié que tu peux remarquer un comportement qui va te faire équilibrer. That's going to make you reverse. Quand tu vas trop vite dans une relation, après vous rencontrez, après vous vous aimez, vous ne connaissez pas encore, you don't know each other well, et tu risques d'avancer dans une relation où tu remarques des défauts, des problèmes, mais tu as déjà dit je t'aime. Et pour récupérer ton je t'aime, and for you to get back your love, elle ne va pas te permettre de le faire si rapidement, so easily. Donc avant de dire je t'aime, so before even saying I love you, attends, apprends à connaître la personne. Get to know the person. Alors maintenant, si toi tu vois qu'elle est emballée, so now if you et tu vas parler à une autre sœur, là ce n'est plus elle mais c'est toi. Now it's not you anymore. Parce que comme it's je l'ai dit, right you, as on, I said on, in the beginning, on ne parle qu'à une seule femme. You only speak unto a, même les femmes woman. Ou les frères qui disent, bon j'observe d'abord 5 ou 4, even the women that observe ça prouve déjà brothers. Qu'ils ne sont pas sérieux. Yeah. It shows that they're not on n'observe pas plusieurs personnes au même moment. Alléluia. Amen. Donc si c'est elle qui t'intéresse, so à toi de recadrer her, la relation comme un homme. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que nous sommes arrivés à la fin à cause du temps. Il reste une question, sœur Mila, une question. Est-ce qu'on peut mettre le micro rapidement? C'est la dernière question. That's the last question. Et on va conclure. We're going to conclude. On aura un autre, on aura une autre session, on aura une autre session de préparation au mariage le mois prochain. Donc chaque mois, on aura un dimanche de préparation au mariage. La question est la suivante. Présente-toi d'abord à EIOT. On ne sait jamais. Just introduce yourself because we never know. C'est jamais. Quand vous le ferez pour la première fois. Maybe the first time. Ton nom c'est qui? Elle est célibataire. My name is Myrna. Myrna qui? Motuako. Myrna Motuako. En fait, ma question est la suivante. This is my question. J'avais demandé que à chaque fois qu'un homme approche, la chaise à voir. Les frères ne vont pas être très bien attendus. Okay, la sœur doit savoir comment répondre pas à, en étant insolente. Oui. Mais ma question est celle-ci. Il y a des fois des frères qui vont très loin. Des frères qui vont très loin. Il va peut-être approcher, te dire qu'il a des sentiments pour toi, mais tu n'es pas d'accord avec, tu ne veux peut-être pas, ou peut-être tu ne te vois pas avec le frère. Mais ça devient un peu comme si le frère t'harcelait. Mm-hmm. Il pousse un peu en le bouchon trop loin, il te suit à tout moment. Et si il te suit à tout moment. Voilà, ça devient un peu genre comme si il t'écrivait à tout moment, il veut vraiment que tu te mettes avec lui, mais tu ne veux pas. Et s'il ne faut pas agir avec insolence, parce qu'il y a des fois, il y a ce point-là qui nous pousse des fois à aller un peu trop loin avec nos réponses. S'il ne faut pas être insolente, qu'est-ce que vous nous suggérez? Gloire à Dieu. Une très bonne question, n'est-ce pas? Yeah. Tu paraphrases un peu pour les anglophones. So, the question was, how do you react whenever a man is harassing you? Yeah. Donc là, c'est le parent. When you're being harassed. Quel genre d'harcèlement? Pourquoi bien spécifier? Hein? Harcèlement oui. Émotionnel. Alléluia. L'harcèlement émotionnel. Emotional harassment. Comment y répondre ou y remédier? How do you remedy par sagesse, that? Moi je pense que c'est wisdom, I believe that. Une femme. A woman. Dont un frère approche ou aborde. Who's approached by a brother. Lorsque le frère l'approche, whenever she's being approached, une bonne réaction serait de savoir qui est autour de ce frère. Who's around that brother. Parce que une personne qui est autour de ce frère, because a person dont around tu as that l'accès, brother, have access to, peut facilement t'aider à maîtriser le frère. Can easily help you to, soit un ami, keep him soit check. Un frère, either a brother même or une sœur qui even le connaît. A sister that knows him. Ça, c'est si tu fais confiance à cette personne. That's when you trust that person. Si tu ne connais personne de son entourage, if you don't know anyone in his entourage, c'est vraiment la première fois. Vous ne vous connaissez même pas. Other, et la personne t'harcèle d'une manière ou d'une autre. Another, tu as le droit right de lui dire to tell them d'arrêter. To stop. Et tu as même le droit you d'aller pour lui dire right à ce so niveau level, le plus qu'il fait ça, le plus que the tu es désintéressé. It, je crois qu'avoir une réponse qui n'est pas froide mais cohérente
having an answer that's not cold before you can enable a person to get back si the senses. If at that level he's not able to come back on earth, il a sûrement un problème mental. He maybe has a mental issue. Parce qu'un homme normal, si on lui dit arrête, man, arrête, if à moins que c'est un homme qui a des démons. Demons, mais si c'est un homme qui est conscient, man, ton nom pour lui aura beaucoup de valeur. You know, c'est la raison pour laquelle même quand un homme t'aime réellement, il ne va jamais te forcer de l'embrasser. Il ne va jamais te forcer même de coucher avec lui. Il ne va jamais te forcer de faire les choses à la hâte si il t'aime réellement. Parce que le vrai amour, c'est attendre. Le vrai amour est patient. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut rappeler pour Jésus? Nous sommes arrivés à la fin de notre session de préparation au mariage. Pour clôturer, nous allons prier. Chacun va prier pour sa vie. On prie concernant le mariage. We're praying regarding marriage. Prie concernant les personnes qui vont t'approcher. Pray regarding the people that will approach you. Si tu sais et tu es conscient que tu n'as pas l'âge de te marier, c'est trop tôt pour toi. Prie les prières déjà préventives. Pray preventive prayers. Dans le futur, in the future, que telle chose ne t'arrive that, that thing does not happen que Dieu t'épargne de rencontrer des aventuriers sur ton chemin. Parce qu'on va même dealer avec les réalités spirituelles avant le mariage. Ça sera prochainement. Mais tu vas te lever avec moi. Et tu vas prier pour ton mariage. Tu vas prier pour ton futur mari. Prier pour ta future femme. Et que Dieu t'accorde sa grâce. Là où tu élèves ta voix, commence à prier. Pendant que le pianiste joue une mélodie. Élève ta voix, prie pour ton mariage. Prie pour avoir des bonnes réactions. Une mauvaise réaction ne te permet pas de faire une erreur. Et toi, en tant que frère, que tu n'aies pas une mauvaise approche, élève ta voix, commence à prier. Prie. E calamando o Brasil que ele galeste para o seu pai. Le cose e se malia de se que la da chime la mani posta e a da chata. La mante que ele braliva scupa de la bradeche o Brasil da la mani chere. E que il mani Brasil vale braço calamani posto do baixo e a bassa. E calamando o posta vales que ele pôr o seu calamani que Brasil vem. Il a manté qu'il brale sa calé la chesse et qu'il brale au soupal. Mal qu'on brale la soukere à l'échabada da la bada da sara et la la chala. Il a manté qu'il brale chesse et qu'il brale au soupal à l'échata. Au nom de Jésus, in the name of Jesus Christ, je prie pour vous.